Et salut à tous, c'est la salle. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Farming 2019 les amis. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de changements parce que j'ai acheté une piscine pour se détendre, voilà. Et j'ai placé quelques petits arbres. Là j'ai placé une étagère. Donc voilà. Donc du coup on va direct commencer par décharger ce camion. Voilà, bon. Oula, 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 oula. Décharger et charger le camion, hein, bien sûr. Hop, donc ça on va le mettre là où il devrait être. Wow. Et le camion. D'ailleurs celui-là il a totalement bugué parce qu'il était blanc si vous vous rappelez, et là du coup il est devenu noir, donc je ne sais pas pourquoi, mais du coup c'est un peu un bug de merde parce que en réalité ton camion est noir, il va pas devenir ton camion est blanc, il va pas devenir noir tout d'un coup, donc voilà. Et donc du coup je le change aussi parce qu'il est pas puissant. Voilà, donc ça charge. Et puis je vais le laisser là. Donc voilà. Bah, du coup, bah, on va repartir avec ce camion. Hein. La première cargaison avec celui-là. Donc c'est parti. On va partir au magasin. Parce qu'on a pas mal de choses à faire. Oula. Putain, colère de chien. Ouais, là lui d'ailleurs faut que j'aille réparer le camion. Donc ce soir je vais peut-être l'amener au garage. Bon. Oula, 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 oula. Chauffeur et j'ai fait trop d'Angleterre à un moment. Là j'avais envie de prendre à gauche. Je sais pas pourquoi. Je pense j'ai fait trop d'Angleterre. Je suis pas sûr. Par contre dans ce camion il y a un truc qui me gêne, c'est que en fait regardez, dès que le moteur il est allumé, genre il y a les aiguilles là, le tableau de bord il est illuminé, alors que du coup ça bouge beaucoup de diacritiques, hein. Bon après on s'en fout, c'est juste que c'est nul parce qu'en plus ça me fait bizarre à ma tête. Donc du coup regarde ça. Donc j'ai enlevé la bâche, on va mettre l'échelle. Voilà, donc du coup, bah go hein. On va charger. Oh ! Ouh là là, un camion. Ouh là, il est grave stylé. Il y a les cieux là qui tournent. Je me demande s'il est à vendre. Attendez. Oh, il est à vendre. Ok, il est à vendre. Je vais le réserver. Je vais démarrer ça. Ah bah c'est là le papier pour réserver. Signature. Voilà. Donc du coup, on va y aller. Oula. Regardez, ça c'est une technique plus pratique pour charger les palettes. Regardez, donc là j'en ai juste un là. Donc là j'en ai deux.
Allez, go. Donc, je vais vider ça. Bon, du coup, on va ranger ça. Je vais le ranger là où je l'ai trouvé, ça sera bien. Bon, il était pas comme ça, mais c'est pas grave. Bon, on va y aller. Hop, on va fermer ça. Et puis, on va se casser. De bande, je suis plus trop faux que j'aille. Ah si, c'est vrai. Je sais où faut que je dois aller. C'est là. Donc là, je tourne. Normalement, je devrais prendre ici, mais c'est pas grave. Parce que... Ah bah voilà, c'est là-bas. Bon, c'était juste ça à faire. Non, je déconne. Donc voilà, c'était ça à faire. Oula, j'ai failli le toucher là. Heureusement que j'ai freiné fort. Putain, je freine. Bon, du coup, on part, on retourne au magasin. En fait, je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien ces genres de trucs. C'est moi qui dois charger parce que c'est stylé et c'est simple. Bon, du coup, ici je suis jamais venu, donc là, et apparemment ici je dois laisser ma SMI. Ouais, ok. À ce qui paraît, je dois laisser ma SMI là. Accrocher elle. Repartir, aller chez le fermier. Ça aussi, je vais prendre l'autre route. Ça sera plus simple. En plus, c'est que je dépasse. Ça peut être un peu dangereux. Allez, on a les gyrophares. Clignotant pour tourner. Parfait, c'était pas là. C'est pas grave. Ok, bon, voilà. C'est ici. Par contre, c'est grave serré. Du coup, je sais pas. C'est mieux que de prendre le vrai chemin. Parce que c'était un peu plus dangereux. Alors qu'ici, vous voyez, je peux venir là. Hop, on descend les rampes. Bon, le camion allumé, parce que dans quelques minutes, ça va être fait. Enfin, dans même pas une minute. Et descend, descend, parfait. Bon, je pense que vu le godet qui m'a pris là, je pense que ça va être bon. On le prend. Donc là, je dois charger l'agriculteur parce que maintenant vous le savez. Par contre, je ne peux pas. Ok, donc il est tout coupé. Décharge. Alors. Bon, je vais un peu casser son truc, mais c'est pas grave. Je l'ai pas cassé, je vais déformer une pièce, normalement ça se voit pas.
Allez, go, on part. Donc là, on retourne au magasin, poser cette remorque. Et ensuite, on va récupérer la nôtre, rentrer à la maison. Déposer le camion qu'on doit vendre et du coup bah, le camion qu'on doit mettre en réparation. Et puis je pense que ce sera déjà la fin de la journée. Enfin, oula, par contre, je sais pas où tourner. Hein. Voilà, hop, et on voit la remorque de loin. Hein. En même temps, elle est imposante. Et elle est belle. Allez, on va déposer la remorque. Merde. Oula. Allez, on va prendre notre remorque et on va rentrer à la maison là. On va rentrer à la casa des papels. Ah non, c'est pas la casa des papels. Allez, hop, on se casse. Là, j'ai envie de rentrer à la maison. Et bon, je reviens dans 15 minutes, je suis de nouveau là. Donc, voilà. Même ouais, 15 minutes, 20, 15 à 20 minutes à peu près. Vers ouais, 10h10 maximum, je suis de nouveau là-bas. Bref, donc du coup, là je rentre, je vais garer le camion. Putain, le chien. Il est con, con. Vraiment con. Oula, il y a eu un bug. Allez, par contre, je suis un peu speed, mais c'est normal. Bon, du coup, on va partir avec ce camion qui d'ailleurs a une grosse bosse en plein milieu vu que j'ai tapé du mur. Bon, ça roule encore. Et allez, il fait demi-tour et j'ai failli l'écraser. De toute façon, si je l'écrase un jour, le chien, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, il le mérite, c'est un mec. Bon. Bah, du coup, je vais. Oula. Non, la remorque, elle s'est levée. Ouais, c'est pas grave. Bon, du coup, on va tracer jusqu'à là-bas. Normalement les gens ils doivent ralentir mais moi j'ai pas l'impression. Je repars un peu pour prévenir. Allez, on va continuer ça. Bon bah je vais mettre ça dans le garage. Oh, je suis bloqué là. Je suis bloqué. What? Ça ne doit pas toucher le camion. Ok, ça passe. Mais par contre, ça m'a bloqué là. Je sais pas. Wesh. C'est pas normal. Je vais tourner. On va de nouveau essayer de pas défoncer le camion. On va juste mettre ça là. Ouais, ok. Ah voilà. Je vais aller mettre ça dans le garage. Mmh.
Allez, au revoir camion. Donc du coup celui-là, je vais le descendre, le mettre avant le reçu, du coup. Enfin à côté, donc là, voilà, derrière. Et du coup, je vais repartir avec ça. Donc on va accrocher ça. Changer la veine, fermer le port. Bon. Il est aussi en fait la porte. Voilà. Bon, bah du coup, on peut profiter de ce camion. C'est magnifique. Et on va rentrer à la maison. Mais je l'ai pris à merde. Faut que je vois combien de chevaux il fait. Alors, il fait 640 chevaux. C'est un bon quand même. Moi, je vais cracher. Ouais, 640. Putain, allez, il faut faire un accident. Bon, du coup, je rentre à la maison et puis ben, voilà, on a à travailler. Et c'est surtout que je suis content d'avoir acheté un nouveau camion. Ouais, en plus, c'est trop bien. Enfin, je sais pas vous, mais moi je le trouve trop bien. On éteint les gyros, on se gare proprement, on éteint ça. Et du coup, j'espère que ce transport farming vous aura plu. Dites-moi en commentaire aussi quel genre de série voulez-vous que je fasse. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!